Salut à tous, c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est lundi, c'est Summon Day, nous sommes sur le compte de Space One. Alors attention, c'est parti! Space One, comment vas-tu? Très bien, et toi, Mana? Mais écoute, ça va très très bien aussi. Les amis, regardez-moi ça. Space One, il est dans l'efficacité, ok? Vous avez vu? Il n'y a pas de fioritures, on n'est pas là pour rigoler, tout est bien rangé, il n'y a pas de déco, il y a, voilà, tout c'est carré, ok? C'est pas le bordel voilà. Ici. Très optimisé. Assez optimisé, hein, c'est tout, c'est comme ça partout chez toi, tu ranges tout comme ça, tchac 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 tchac. Ah oui, oui, oui. T'as le moins de temps possible. Waouh! Allez, le matin, vous avez vu, il vient, clac clac clac, il récupère ses trucs, puis paf, boum, hop, voilà, les monstres, regardez ça, il y a même une barrière, ils peuvent pas s'échapper. C'est bon, bah ok, ça déconne pas, hein, on n'est pas là pour rigoler. Bon, Space One, on va aller jeter un petit coup d'œil à ton compte avant de partir pour cette summon, les amis. Space One, hop, tu joues depuis 1165 jours. Ah ouais, quand même, pas mal. J'ai fait une grande pause quand même. Oui. J'ai joué 3 mois au début et puis là j'ai repris il y a 3 mois. Ah d'accord. Ok, bah, je comprends mieux voilà. Alors. Écoutez, en vrai, honnêtement, en ce moment, avec la hype, la SWC, tout ça, il y a beaucoup de gens qui reviennent sur le jeu. Oui. Et bah, les amis, on vous souhaite la bienvenue. Soyez les... Voilà, c'est un bon retour, hein. Bienvenue à nouveau parmi nous. Et puis voilà, on est reparti pour tous s'éclater ensemble. F2 en arène, bon bah évidemment, hein, on a l'air d'être sur un compte plutôt finalement, bah, malgré les 1160 jours, plutôt early, début de mid, quoi. Ouais, clairement, hein, Théo à 100, on finit pas la Théo hard, on a des temps qui sont encore un peu longs en donjon, on fait pas le Nécro 10. Donc, ok, par contre, on voit qu'il y a des fusions qui ont été faites, il y a une petite Charlotte, il y a des choses sympas. Oh, il y a un petit Verdil. Ok, on va aller voir ça, on va aller voir cette box un petit peu, Space One. Hop. Alors, on a Théo Mars, ok, en Swift, ok, pourquoi pas. Oula, un petit peu trop de Tokrit, hein. Avec son passif, t'as pas forcément besoin d'autant. On a un petit Sigma aussi qui a été fait, ça c'est très bien. Le double wake de Raok. Un petit Zeros. Ok. C'est ok. Aïe aïe aïe, ça fait mal, hein, ça fait mal. À ce niveau-là, il serait peut-être mieux en fatal, en full attaque par exemple. Double wake de Shannon, ok. Yes. La petite Charlotte qui a pris un up, hein. T'as vu ça, le dernier patch note, ouais, elle a pris un hop sympathique. Hein. Ouais, c'est cool pour Théo. Ah, c'est clair. Une petite Fran, très bien. Ah, Veromos le boss. Hein. Veromos le boss. À tous nos amis qui commencent ou qui recommencent le jeu, allez faire Veromos, c'est tellement important. Il est tellement fort. Ouais. Il a encore été up au dernier patch. Ouais, il est vraiment très très bien. Son passif qui a été up, à nouveau, il rend des points de vie à tout le monde. C'est très très bien. Ok, un petit Belenus, une petite Raki. Bon, bah, ça sera pas forcément pour tout de suite, mais en Théoard, ça peut aider. Le Verdé, très bien. Akamamir, une Lorraine. Oh, et Yanez, très 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 jolie. Elle est jolie celle-là. Celle-là, elle est jolie. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ça, moi. J'aime beaucoup son skill 3. Ok. Bon, et puis de l'autre côté, ok. Il manque des choses, hein, quand même. Niveau 4 nat, il manque encore des choses, hein. Il manque pas mal de choses, il manque Galion, les jumelles. Ouais, il n'y a pas de China, il n'y a pas de Duchenne. Ok, bon, c'est très bien. Finalement, tu sais quoi? C'est les summons que je préfère. Des summons où bah, y a encore des choses à aller choper. Il y a encore moyen de se faire très 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 plaisir et de te faire avancer dans le jeu en invoquant. Honnêtement, on peut jouer sans invoquer. On peut jouer sans invoquer. Ça a été prouvé. Hein. Il y a certains joueurs qui l'ont fait. On peut tout faire sans invoquer. Mais invoquer pour des gens qui n'ont pas les 4 nattes clés et leur choper pour leur permettre bah, d'avancer plus facilement, plus rapidement, c'est ultra cool. On a 5 vélins légendaires. Pas de bénédiction. Aïe, aïe, aïe. 10 light and dark, des vélins élémentaires et 347 vélins mystiques. Et ça, tu m'as dit qu'il y avait un petit ifrit. Et si on commençait par l'ifrit, pour donner à ton compte le goût du 5 étoiles. Parfait. Ce petit goût de 5 étoiles là, il va en revouloir
Allez, c'est parti. Il te manque que Tesarion, RF Jesus, es-tu avec nous aujourd'hui? Allez. Eh ben non. C'est ta caméra. Ouais, ce sera du skill up. Et ça va être une semaine très sympathique aussi aujourd'hui, parce que nous sommes pendant l'event d'Halloween. Et oui. Et tous les monstres que l'on va invoquer seront avec un skin. Ça va être très cool. Ah oui, oui, oui. Ça va être génial. Oui. Alors, je vais sûrement bugger. Hein. De temps en temps, j'ai. Mais c'est qui? Il y a des moments, je risque de. Voilà, mais bon, bah écoutez, on verra bien. Allez, on est parti pour cette semaine. On a donné au Stone Age le goût du Nat 5. Attention, par contre, il n'y a pas de bénédiction. Ça va être à l'ancienne. Hein. Tu sais, Space One, depuis l'époque où tu as commencé à jouer, il s'est passé des choses sur le jeu. Hein. Tu connais les bénédictions? Pas trop. Ah. Je sais pas comment en obtenir. Alors, les bénédictions, ça se craft dans le bâtiment de crafting. En utilisant un doublon. Toi, bon, pour le moment, c'est pas vraiment ton problème. Tu n'en as pas. En utilisant un doublon Nat 5 et des cristaux farmés en Rift, tu peux acheter dans le shop antique une bénédiction. Cette bénédiction, elle te permet d'avoir non pas un Nat 5, mais deux Nat 5 qui te sont proposés quand t'en chopes un. Et à ce moment-là, bah, ça te permet de choisir celui que tu veux. Soit pour t'éviter un doublon, hein, peut-être un des Nat 5 que tu avais déjà, soit pour te permettre de pick un monstre que tu préfères ou qui te semble plus fort à ce moment-là. Donc c'est très très bien. C'est très 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 important et ça sauve des vies. Hein. Je crois que c'est pas moins que ça. Ça sauve clairement des vies, les bénédictions. Hein. Ça, c'est trop trop drôle de choper les monstres déjà skin. C'est trop rigolo. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup des skins en vrai. Hein. Il commence à y en avoir vraiment beaucoup. Hein. Allez, étincelle. Yes. Sérieux. C'est un malaka. Non mais c'est hyper dur. Hein. En vrai, c'est très 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 déstabilisant. Hein. On a l'habitude les monstres hein, de les voir avec leur skin habituel. Et là, pas du tout. Alors, putain, c'est quoi ça? Regardez, c'est hyper dur. En plus, il y a certains monstres qui en ont plusieurs des skins. Alors du coup, pour savoir lequel c'est très très difficile. Laissons-nous surprendre. Voyons voir. À peu près... Dans les stats, je pense que statistiquement parlant, on doit avoir un Nat 5. Hein. Ça, c'est le minimum. Hein. T'as plus de 300 vélins. Les statistiques disent qu'on peut espérer un Nat 5 tous les 200 vélins. Donc, techniquement parlant, mathématiquement parlant, on devrait avoir un Nat 5. Mais... Ça serait bien. Voilà. Ça reste que des statistiques. Hein. Tu sais, on ne sait jamais. Ok, un petit sniper, hop, on continue. Il te manque aussi des choses type, bah voilà, les 4 nattes un petit peu, les 3, ouais, les 4 nattes un petit peu récents, type Skogul, par exemple. Je sais pas si Kmoun, tu as aussi. Je connais pas vraiment les noms des mobs encore. Ah ouais, t'es très early quand même, hein. T'es très early, t'apprendras, voilà, tu découvriras tout ça. C'est vrai que... c'est drôle, c'est rigolo. C'est marrant parce que, moi je joue depuis 5 ans, le jeu a un petit peu plus de 5 ans, et on a tellement l'habitude finalement que de jouer avec des joueurs qui ont aussi l'expérience, qui connaissent, la méta, tout ça. C'est drôle de tomber sur des joueurs comme toi qui finalement... Ah non, mais moi j'ai commencé il y a 3 mois en fait. Non, mais moi je connais pas l'eau de mon Skmoun. C'est qui Spike? Non, je connais pas. Ouais, à part mes Nat 5 et puis les mobs que je possède. Bah oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, regardez-moi ce skin. Non, mais regardez-moi ce skin. Chevalier de la mort, il est nul, hein. Évidemment, le monstre est pas terrible, mais le skin est mortel. Oh là là, on croirait un des serviteurs de l'anneau du Seigneur des Anneaux. Allez, on continue. Les Nazgûl. Hop. Allez. Où est le Nat 5? On veut le Nat 5, là. Ou, en vrai, honnêtement, très honnêtement, si aujourd'hui, on ne chope aucun Nat 5, mais qu'on chope Galion, qu'on chope Lushen, qu'on chope Shaina, qu'on chope Skogul, on sera les boss. On sera clairement les boss. C'est beaucoup plus important, finalement, que les Nat 5 mais à ton tellement. Niveau. Ah ouais, c'est clair. Allez, voyons voir... On a eu des étincelles, hein, pour le moment, rien de particulièrement significatif, mais on a eu quand même pas mal d'étincelles. Mais, on veut nos Nat 4 là, on veut notre Galion,
On veut notre Luchenne. Allez, une petite dernière étincelle avant d'aller faire un tour au stockage. Oui, la voilà, très bien. Qu'est-ce que c'est? Encore? Mais non, mais... Bon, hé, les Nazgûl, ils sont neufs. Vous allez pas nous le sortir tous les neufs, là. Allez, on revient. Il nous reste 268 vélins mystiques. On continue. Space One, tout va bien. Oh, étincelle. Allez, ça recommence. Sur les chapeaux de roue, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un skin, c'est un Tyron. Très, très, très bon monstre. Très bon contrôle en TOA. Tyron, comme ils disent, hein, du côté de LA. C'est parfait. C'est très bien. Oups. Space One, ça m'intéresse de savoir. T'as joué un petit peu au début. T'as fait une monstrueuse pause et tu es revenu. Qu'est-ce qui t'a fait revenir? Explique-moi un petit peu comment t'es revenu sur ce Malensoir. Comment je suis revenu? Les autres jeux auxquels je jouais m'intéressaient plus, donc je suis revenu sur ce jeu-là. Et puis c'était le moment de l'anniversaire, du coup il y avait plein d'events super intéressants. Et du coup, ça m'a replu de jouer au jeu. Ah, les events d'anniversaire, c'est vrai que cet été on a été particulièrement gâtés. Il y a eu beaucoup d'events, des events très sympas qui permettaient d'avoir un AT5 d'art. Enfin voilà, vraiment, ils nous ont vraiment, vraiment régalé cet été avec les events. Ok, ok, intéressant, intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chasune. Très bien, ça pour le coup c'est un très bon AT4, je sais pas si tu l'avais. Non, non, je l'ai pas chasé. Ah, excellent! Très, très, très bon NAT4, ça. Ouais, ça, c'est très bien. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Allez, on perd pas la main. On continue sur ces bons 4 NAT. Ça continue. Allez, 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 allez. On veut des étincelles. Où sont les étincelles? Hops. Ouais, c'est super intéressant, ça. Franchement, que ce soit les events de l'anniversaire qui t'aient fait revenir, je suis curieux, hein. Les amis, si vous qui regardez cette vidéo... Comme Space One, allez, une petite Triana, oh là là, ça aussi c'est du très 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 bon 4 nat. Ouh, très bien. Si vous aussi vous avez repris le jeu récemment, laissez-moi un petit message en commentaire pour me dire, bah pour... Oh, c'est le nat 5 qui tombe, Space One. Oh, oui. C'est Taranis le druide vent, il est absolument monstrueux, il est juste génial. Oh, oh là, c'est génial. Tellement bien, tellement bon NAT 5. Tu vois, on est plus fort que les statistiques, on est plus fort que les mathématiques. Space One, il reste 235 vélins, ce qui veut dire que statistiquement, on peut toujours espérer un NAT 5. Yes, allez, yes. Ça serait trop bien. Il donc, est jouable où le druide vent du coup? Écoute, c'est un excellent raise qui a en plus la possibilité d'envoyer de très lourds dégâts. Il a aussi une possibilité de contrôle avec du taunt. Il se joue beaucoup en PVP. Ok. Il est vraiment très fort, il se joue beaucoup en PVP. Ouais. Donc voilà quoi. Raise, très bien. Protection de l'âme qui empêche un allié enfin, qui fait revenir à la vie un allié qui meurt. Non, franchement, il est top de top. Et il envoie des patates. Pour un support, il envoie des patates. Tu vas être surpris. Yes, très bien ça. On va bien s'amuser alors. Oh oui. Allez, on continue. Bon bah donc voilà, comme je disais, hein, les amis, si vous êtes revenus récemment sur le jeu, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire... Bah, je sais pas, est-ce que c'est les SWC, est-ce que c'est les events de cet été, est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, voilà, tout à coup, l'envie vous a repris de relancer le jeu. Pourquoi? Ça m'intéresse de savoir. Allez, on continue cette summon, et déjà monstrueuse, on a chopé Chasune, Triana et Taranis. Que du vent, par contre, dis donc, que du vent, que des monstres vents. Tu vas passer ta vie dans le donjon vent, hein. J'aimerais bien passer ma vie dans le dragon. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est la bonne réponse. Bravo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, les petites étincelles là. Oh là là. Est-ce que pour l'instant, je suis à 40% de win rate en dragon. Est-ce que ce serait pas Shaina qui vient de tomber? Oh là là. Et voilà la petite Shaina. Yes. Et ça, c'est la jumelle, encore... ça. Ah, c'est oui, la jumelle, c'est la jumelle feu. C'est la chakra feu. C'est la plus importante. Space One, c'est la plus importante. C'est autour d'elle que s'articulent toutes les teams jumelles. C'est la plus importante de toutes.
Et tu Ah, je l'as. suis vraiment content là. Ah oui. Maintenant, il te faudrait idéalement, au minimum, on va dire vraiment au minimum, une petite boomerang haut pour jouer avec. Ouais. Mais c'est top, ça c'est top, top, top. Si tu peux aussi choper la chakram haut, ça sera parfait. Bah écoute, c'est très bien. C'est Je crois très que j'ai la bien. Chakram Light aussi. Je sais pas si je peux la Oui, jouer ça c'est avec. normal, c'était un HOH. Ouais. Tout à fait. Bah moi je les joue. Hein. Moi je joue 5 jumelles en donjon. Et ça marche très très bien. Bon, t'en es pas encore là, hein, pour le moment. Oui. Mais petit à petit, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Allez, encore des étincelles. Cette summon est juste monstrueuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une succube. Putain, regardez-moi ça. Faut que je vois les skills, hein, sinon je reconnais pas les monstres. Hein. C'est fou, hein. Ils ont tous leurs skills, c'est trop trop beau en vrai. La summon horrible d'Halloween. Bah, elle est juste géniale cette summon. Elle est tout Ouais, simplement géniale. elle est vraiment Taralis, bien. Jazune, Triana et Shaina. Pouah, pouah, pouah. On est trop bien. Petite dernière Ah, tu mets étincelle. vraiment bien. Eh ben non. Allez, on va aller se faire de la place et on revient. Il nous reste 175 vélins mystiques. Cette summon, les amis, elle est déjà monstrueuse. On a eu Taranis, on a eu Shaina, Triana, Chazune. On est refait. On va essayer de choper maintenant. Bah, et un petit Galion, pourquoi pas un petit Lucen. Ça serait aussi Aussi. très bien. Hop. Allez, allez. Allez. Ah, voilà l'étincelle. Elle est là, l'étincelle. Ah, c'est une Stella. Oh, je l'aime beaucoup. Surtout avec ce skin. Genre Ah, je crois que ninja. je l'ai déjà plusieurs fois là, celle-là. Ah, elle est sympa. C'est dommage, hein. Elle a été méta à une Ouais. époque. Elle l'est plus du tout actuellement. Ouais. Évidemment, actuellement, c'est quand même. Malgré leur nerf, c'est quand même vraiment les jumelles qui font la loi en C'est PvE. ça. Donc, ouais, donc il y a plein de monstres comme ça finalement qu'on ne voit plus. Et c'est dommage. C'est Ouais, c'est pour dommage. ça que j'ai monté tard il y a pas longtemps et puis après j'ai remarqué qu'en fait personne ne jouait du coup. Exactement, exactement. T'as raison, c'était tout à fait joué à une époque. Mais cette époque est finie. C'est révolu tout ça. Maintenant, nous sommes sous le règne des jumelles. Et puis jusqu'à quand? On verra bien. On verra bien. Mais effectivement, c'est intéressant et t'as raison de le dire. Pour toi qui reviens, bah tu dois redécouvrir la méta telle qu'elle est aujourd'hui C'est ça. et elle a changé. Alors, ah bah voilà, j'étais en train de me dire, eh oh, les étincelles là quand même, s'il vous plaît. Yes, un petit Orion. Est-ce que tu avais Orion? Orion, je crois pas, Le non. Brownie Je l'avais pas, magicien non. haut. T'es Non, 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 sérieux? je l'avais pas, sûr. Oh, oh là là, c'est encore un monstrueux 4-9 Ah alors, ouais. hein. Oh Ah là ouais, lui, il est là! vraiment bien aussi. Oh putain, cette summon qu'on est en train de te faire, Ah, Spacewan! Simon, elle est vraiment bien. J'aurais C'est vraiment fou! beaucoup de mal à monter. Allez! Yes! Oh là là, mon dieu, mais non, c'est un deuxième nat 5! C'est Bolverk qui vient de tomber, l'empereur des foudres, oh, qui est juste monstrueux! Oh là 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 là! Ah oui! Ah oui! Allez! Mais Oh non, putain, mais mais cette c'est semaine alors! fou! C'est incroyable! C'est incroyable, Spacewan! Non! Incroyable! Cette summon, t'es juste refait. Ah ouais, je suis juste refait là! Je suis content d'avoir attendu tout ce temps! Ça faisait longtemps que t'économisais du coup? Bah depuis que je suis Depuis que t'es revenu! revenu! Aïe aïe aïe! Eh Ouais. bah écoute, t'as bien fait. J'espère que ça donnera du courage. Tu sais qu'il y a des gens, ils arrivent pas. Ils sont incapables d'économiser les vélins. Eux, ils ont un vélin, instantanément, pouf, ça part. Hein. Je citerai pas de nom, hein, mais il y a des gens genre comme Shesu, Junpei par exemple. Moi je balance pas les petits potes, hein, mais. Dès qu'ils ont un vélin, je les vois. C'est parti, salut direct! Mav, Ah. regardez-moi ça, Mav en mousquetaire, il est juste magnifique. J'ai réussi à tenir, il y a juste les Dark and Light, j'en ai ouvert 20 il y a un mois de ça. 20 Dark and Light? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah Avec oui, les événements et tout ça, parce que je suis ok. free to play, hein, je dépense rien, je suis Eh vraiment bah un dis free to donc, play. chapeau en tout cas. Waouh. Et puis alors, bah t'as eu Inès plutôt, pardon. C'est ça? C'est ça, voilà. Et puis c'est tout? J'ai rien vu Oui, voilà. d'exceptionnel Oh, en Light and Dark. c'est tout, c'est ce Ah, que c'est j'ai eu, terrible, ouais. hein, c'est Light and Dark, c'est les vélins de la douleur. Hein. Ça, c'est une Wai. Très bien. Très bon 4-net aussi. Hop. Hop, c'est la danseuse du ciel, feu.
Que j'aime bien. Que j'aime bien. Allez, on continue. Oh là là, mais quel summon. Quel summon. Galion, Lucien, Spogul, qui nous manque peut-être encore. Déjà deux Nat 5, ce qui est largement au-dessus de ce qu'on pouvait espérer. Donc on est juste trop bien. Et puis c'est pas des doublons et c'est des monstres God tier. On est ravis. On est absolument ravis. Bon, par contre, là, t'as de quoi t'occuper pendant un petit moment aussi. Parce qu'il va falloir monter tout ça, runer tout ça. Ouh là 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 là. T'es pas, sorti de Kairos. Hein. Kairos, tu vas le connaître comme, comme ta poche. Hein. Ça va être comme chez toi. J'ai. Oh le géant, salut. Oh le dragon. Ah, j'ai skippé une étincelle. C'est un Kebezenuef. Le Horus O. Qui est fusion, donc pourquoi pas. Ouais. Hop. Allez. On passe sous la barre des 100 vélins. On passe sous la barre des 100 vélins. Tu sais ce que ça veut dire. 100 vélins, c'est 8 étincelles. On en a déjà eu une. Il nous en manque du coup encore 7. 89 vélins. On attend encore 7 étincelles. Allez, voilà la deuxième déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu une planche de surf. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est une boomerang. C'est ça, c'est une boomerang vent. Mais je crois que tu l'avais déjà. Ah ouais, les vents je les ai. Back to back. Ah, c'est un pirate. Mais c'est un pirate feu malheureusement. Quel dommage. Ah, oh, ce sera du skill up pour Galion. Exactement, encore une étincelle. Oh là là, les 100 derniers vélins qui... Ah, carry pas mal. Eh bah écoute, c'est Chloé. Chloé, c'est pas mal. Ah oui, je la voulais, elle. T'avais pas Chloé non plus? Non, j'avais pas, mais j'ai rien. Incroyable. Ah, je suis content d'avoir Chloé aussi. Excellent. Eh bah écoute, voilà. On est déjà trop bien avec cette semaine. Ah ouais, écoute, j'avoue que là... ça fait plaisir, c'est clair que ça fait toujours plaisir d'invoquer pour des gens comme ça qui sont early parce que bah il leur manque tellement de choses que bah t'as vraiment vraiment juste tout. Très 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 plaisir. Hein. Allez. Allez là. Il nous manque plus que 3 étincelles. Allez, en voilà encore une. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est Clara. La pierrette feu. Ok. Ok, ok. C'est plus late game, hein. Ça, ça sera clairement pour beaucoup plus tard. Ah ouais. Hop. Allez, il nous manque plus que 2 étincelles. On est tellement en avance sur les étincelles, c'est ouf, hein. Oh, on est vraiment, vraiment très, 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 très bien. Donat 5, Triana, Shazune, Shaina, Orion, Chloé. Tous ces 4 nattes que tu n'avais pas. Pff, ouais, étincelles, c'est n'importe quoi. Oh, un petit fake 5. Bon, voilà, ça arrive de temps en temps. On chope un 4 étoiles directement éveillé et c'est Reno. Bon. Mm. C'est un espèce de sous-Luchen. Et il nous reste encore 50 vélins. Pff, ouais, c'est bon. C'est bon. On est tellement en avance. Oh là là, ça ne s'arrête pas les étincelles. C'est ouf, hein. Ok, Akasis. Akasis qu'on n'a pas revu hein, dans la méta depuis. Eh bah depuis 5 ans. C'était il y a très longtemps, hein, effectivement. Allez, 40 vélins, bonus. Là, toutes les étincelles qu'on a maintenant, c'est en plus, c'est cadeau. Allez, Galion, Lucien, Skogul. Allez, allez, là. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez. Galion, Lucien, Skogul. Allez. Et ou une boomerang aussi. Hein. Oh, j'ai plus d'étincelles. Space One, qu'est-ce qui se passe? T'es rentré dans les stats. Aïe, 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 non. On se fait rattraper par les statistiques, le karma. Non, Space One. Alors, oh non, vous pouvez pas nous faire ça, pas maintenant, pas comme ça, pas après tout ce qu'on a vécu ensemble, mais non, où sont les étincelles, y'en a plus, sérieusement, ah, ah, alléluia, qu'est-ce que c'est que ça, c'est Delphoi, ah purée, son skin, il est sympa aussi, un peu gitane comme ça, ok, Delphoi c'est très bien, hein.
Bon, après, c'est vrai que maintenant, avec Fran, bon, voilà. Ouais. Évidemment, plus que 9 vélins. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite étincelle bonus, s'il vous plaît, une dernière sur ces vélins mystiques qui Allez. nous ont déjà tellement régalé, Space One? C'est vrai. Ah, c'est ouf. Allez! Une dernière! Oui! Allez, allez. Oui! La voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un samouraï! C'est Jun, le samouraï feu. Ok, bon, très bien. On va s'attaquer au vélin de vent. T'as pris plein de vélins de vent, c'est pour Lushen, hein? Ah, j'en ai pas pris un, c'est juste les events comme ça, ils m'en ont donné D'accord, plein. ok, très bien. Je pensais que t'avais fait exprès pour sniper Lushen, tu t'es dit allez hop. Ah Même pas, il a pas fait exprès. non! Il Oh, ramasse mais le si ça peut me Scroobidon. donner Lucien, moi je dis pas non! Eh ben écoute, pour l'instant il faudrait déjà qu'il y ait une étincelle. Il y en avait 20. Là Allez, on là! peut pas faire Au 20 moins vélins une! sans étincelle, sérieusement! Mais non! Hop, 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 hop. Allez! Oh là là, ça ne veut pas! Un fake, mais ça compte pas! Yes! Yes! L'étincelle! Ah! Bon, c'est à nouveau Delphoi. Bon, très bien. Bon. Une étincelle en 20 vélins. Oh! Dernier vélin! Une étincelle, une deuxième! Et c'est Olivia. Un très 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 joli skin. Très 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 joli skin comme ça. Très japonais, j'adore. Ok. Bon, 18 vélins de feu. C'est parti. Ok. Aïe aïe aïe. Allez là. Bon, On a eu en feu, je deux. demande pas grand-chose, donc c'est pas grave du moment que ça peut se rattraper dans les Ah. élémentaires d'eau. Ah bah écoute, il y a une étincelle, donc tu ne bandes rien, mais tu auras quand Ah. même une deuxième Shaina. Eh bah ouais, parce que Ah, bah ça c'est voilà. bien. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est très bien. C'est clair. Putain. Oh. Deux Shaina, oh là là. C'est ouf quand même, hein. T'as vraiment, vraiment de la chance. C'est incroyable. Alors, Eren Jésus est avec nous aujourd'hui, hein. Ok. Allez, on finit par les vélins d'eau. Là, par contre, le petit galion est attendu au Stone Age. Allez, hop, s'il vous plaît, le petit galion. Allez. Allez, là, une petite étincelle. Oh là là. Allez! Non! Dernier! Oh oui, une étincelle! Dernier vélin! Allez. C'est encore un Nat 5! Et c'est Joséphine, le paladin haut! Oh! 3 Nat 5. Tu te rends compte comme on a défoncé les stats, Space One? 3 Nat 5, les amis! Incroyable! Ce dernier vélin élémentaire. Joséphine, c'est fou, c'est incroyable. Écoute, je pense que c'est voilà, le jeu te dit bah bien bon retour, Bon, tu es pas de revenu galion, parmi mais nous. Ah, écoute, pas Galion, pas Lushen, mais bon, mais tout n'est bon. pas terminé, tout n'est pas terminé. Space One, on a été complètement régalé dans cette semaine. On a déjà eu Joséphine, Bolverk et Taranis. T'as eu Triana, Chazune, Chloé, Orion, Shaina. T'en as même eu deux. Que tu n'avais Deux. pas, tu es complètement refait. Il nous reste Ah oui. 5 vélins légendaires pour espérer obtenir Lushen, Galion, Skogul qu'il nous manque encore. Après ces vélins légendaires, on ira prendre le vélin SWC. On verra en fonction de ce qu'on a. Ok, une petite platie, la sardine feu. On continue. Allez, Lushen, Galion, Skogul. Pas du tout. C'est un deuxième fake. C'est incroyable. Deux fake 5 aujourd'hui. Fumé et tout à l'heure, un petit Renault. Allez, il en reste 3. Skogul, Lushen, Galion. Maintenant! Non. C'est un Zibrolta. Allez. Aïe, aïe, aïe. D'accord, un Barretta. Dernier vélin légendaire. Allez! Non! Bon! Du coup, on va aller récupérer le vélin
SWC qui est dans ta boîte aux lettres. Et du coup, vu qu'on n'a pas eu Lushen et que tu voudrais aussi une Sabrina, on va Ouais. prendre Level 1 Asie-Pacifique. Très bien. Il y a de très bons nat 5 et puis il y a de très bons nat 4 que tu n'as pas. Je sais pas si tu as refroidissement, la gargouille eau, mais même lui c'est très très bon. Lushen, bon bah, on n'en parle pas. Sabrina, ça comboterait tellement bien. Antares, ça pourrait servir plus tard. Donc du coup, allez, on est parti pour ce vélin Asie-Pacifique. Il y a quand même de fortes chances, hein, quand on cible un nat 4, de l'obtenir. Une chance sur 3. Ouais. Allez, puisse RN Jesus être avec nous maintenant. Lushen ou Sabrina? Oh oui, c'est Sabrina! Yes! Yes! Oh là là! Excellent! Excellent! C'est vélin, même si je les déconseille si vous snipez les nat 5, pour les nat 4, ils sont excellents. Et là, c'est la Sabrina qui va venir parfaitement avec ta Shayna. C'est parfait, Space One. Yes! Oh yes! Trop, Ça me met trop trop bien bien. ça. Mais t'es trop refait, quoi. T'es Ah trop refait ouais. dans cette semaine. Excellent. Et bah, tu sais quoi? On va finir en beauté. Allez, on va finir en beauté avec les Light and Dark. Maintenant, honnêtement, voilà. On est complètement refait, complètement Ah gavé de nouveaux monstres. Du coup, oh là là, il y a une étincelle Light and Dark en plus. C'est le délire. C'est la Gargouille Light. Eh ben, elle est pas mal du tout, la Gargouille Light. Je la trouve très intéressante. Très très bien, hein. Alors regardez ça. Frappe tellurique, inflige à tous les ennemis des dégâts proportionnels à la défense et provoque chacun d'eux avec 80% de chance. Ok? Elle attaque en AoE, elle fait des dégâts sur la défense et elle provoque. Tu te changes ensuite en statue pour jusqu'au début de ton prochain tour. Sous cette forme, tu ne peux pas bouger, mais deviens immunisé contre les effets d'incapacité. Les dégâts reçus diminuent de 30% et tu récupères 10% de tes PV en sortant de cet état. Ok. Seulement, regardez ça. Elle les a taunt. Et qu'est-ce qu'elle fait sur son skill 3? C'est un passif, lorsque tu es en état de statue, augmente de 2 tours le temps de pause des compétences des adversaires t'ayant attaqué. Elle les a taunt, du coup, ils vont l'attaquer. Et en l'attaquant, ils vont repousser leur temps de pause. Je trouve ce monstre très intéressant. Une espèce de contrôle passif, pas inintéressant. Allez, très belle étincelle. Très très belle étincelle. On continue. Oh là, cette semaine. Space One, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que t'as fait pour être béni comme ça? T'es la réincarnation du Dalai Lama? Moi, j'en sais rien. Je ne comprends pas. C'est fou. C'est pour que je reste sur ce Ah bah, menoir. c'est incroyable. Hein, Du coup, je vais là. bien rester. Oh là là, deuxième étincelle! Mais Oh là non! là! Oh! Mon Dieu, ces tableaux! Oh là là, ces tableaux qui viennent tomber sur ton compte! Mais non! Ouais, quelle semaine! Voilà, petite pensée émue, hein. Rip Shen, désolé, je suis navré. Pardon pour lui. Oh putain, c'est monstrueux. Ok. Écoute, là, avec ta box, maintenant, tu vas définitivement sortir du early, hein. Va falloir vraiment faire quelque Oui. chose parce que c'est... Aïe, aïe, aïe. Oh putain. Du coup, c'est plutôt bien. Du coup, Voilà, c'est je vais plutôt beaucoup bien. bosser. Voilà, c'est le bon C'est retour. plutôt, Voilà. c'est plutôt excellent. Je pense qu'on va appeler cette vidéo le bon retour sur Summoner's War. Il est reparti sur les bons rails, là. Il n'y a pas de problème. Et si on faisait un petit bilan cette semaine, Space One? Alors, voyons Oh voir. bah. On a eu deux fakes. Ok, c'est pas grave. Même le fake 5 Reno, il va te servir à monter et à skill up ton tableau, donc c'est parfait. On a eu 3 nat 5. Bolverk, Joséphine et Taranis. Bon, on a eu un petit doublon à Camamir, mais c'est pas grave. Ça peut servir de skill up à Théomars, il n'y a pas de souci. Et en nat 4, les amis, regardez-moi ça. Il y a Sabrina, il y a Shayna, il y a Chloé qu'il n'avait pas, il y a Shazune qu'il n'avait pas, Triana, il y a Orion, il est où? Ah, il est là, Orion, évidemment. On a eu la Gargoulite et tableau pourri.
pour finir, la cerise sur le gâteau de cette summon absolument monstrueuse. Écoute, voilà, Space One, je ne sais pas quoi dire. Voilà, juste, bah, juste bienvenue, bon retour parmi nous, et puis, bah, voilà, avec ta box, maintenant, tu vas avoir, je pense, beaucoup de plaisir. Putain, regardez-moi ça. En vrai, en plus, le skin de tableau, il est juste génial, je l'adore, il est trop magnifique. C'était le seul que j'aimais dans cette tournée-là, mais là, il est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Bon, Space One. Je te remercie cette semaine excellente. Je t'en prie, ça me fait très plaisir. Voilà, moi je suis comme ça, moi je fais revenir les gens sur le jeu, vous avez vu. Merci beaucoup Space One pour cette semaine, c'était vraiment, vraiment génial. Bon tour parmi nous, je te dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao. Au revoir, merci. Je t'en prie.